white guy. Voilà, les 30 ans et plus sur la piste pour cette dernière finale. Et en tête de course, Johannis Lacémont, le pilote de Barbier. C'est lui qui a pris immédiatement le commandement avec Nicolas Gagnon à la deuxième position pour l'instant. Et Frédéric Carpentier qui vient éventuellement compléter ce podium. Il occupe la troisième position juste devant Frédéric Falcou. Le pilote Tefé Souba retourne sur les leaders pour l'instant, toujours au Berbier. Avec Johannis Lacémont avec une avance relativement confortable sur Nicolas Gagnon à la deuxième position et la troisième place pour Frédéric Carpentier. Il ne sera plus inquiété maintenant, on peut l'annoncer comme vainqueur donc pour Robert Villiers, monsieur Johannis Lacémont. Allez, on enchaîne.